Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur l'accueil que nous réservons à la parole de Dieu ou aux envoyés de Dieu. Dans la première lecture, nous avons entendu « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. » Oui, frères et sœurs, le prophète Ézéchiel est envoyé vers un peuple rebelle qui s'est révolté contre Dieu. L'évangile de ce dimanche nous relate l'échec de Jésus dans son propre village à Nazareth. Nous écoutons les critiques de la foule. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Josué, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Voilà autant de questions que la prédication et les miracles de Jésus suscitent dans son propre village. Frères et sœurs, la prédication de Jésus à Nazareth aurait pu être un succès. Partout en Galilée, le monde se réjouit de sa parole et de ses miracles. Mais les gens de Nazareth ne voient en lui que le charpentier du village. Jésus rencontre la méfiance et le rejet de la part des siens. On le réduit à son identité, à son passé, à sa famille. Jésus conclut avec une certaine déception et tristesse. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Frères et sœurs, les hommes n'ont pas beaucoup changé. La liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur notre monde, notre société qui chaque jour un peu plus se ferme à Dieu. Les ministres de Dieu et du Christ font face à la critique et à la contradiction, parfois même de la part des chrétiens au service desquels ils ont consacré toute leur vie. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, bien souvent, nous rejetons la parole de Dieu sous prétexte que nous connaissons la vie
de ceux qui nous les annoncent, qui nous l'annoncent. Les prêtres, les évêques, le pape. Nous affirmons qu'ils sont des hommes comme nous, qui ne sont pas meilleurs que nous. Il est vrai, frères et sœurs, les pasteurs de notre Église catholique sont des hommes comme nous, mais en même temps, ils sont tout autres. Ils ne sont pas comme nous, car, comme les prophètes, les apôtres et le Christ lui-même, le pape, nos évêques, nos prêtres sont envoyés de Dieu. Ils ont été choisis, mis à part et envoyés dans le monde. Ils sont chargés de transmettre la parole de Dieu et ils sont revêtus d'un pouvoir divin que seuls les yeux de la foi peuvent percevoir. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu de choisir des hommes parmi les hommes et non des anges pour nous transmettre sa parole et la grâce des sacrements. Frères et sœurs, comme au temps d'Ézéchiel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, les hommes et les femmes de notre temps sauront qu'il y a des prophètes au milieu d'eux. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de tout baptisé. La parole de Dieu doit être annoncée, vécue et proclamée. Aujourd'hui, nous devons nous demander quel accueil faisons-nous à la parole de Dieu que nous écoutons à chaque Eucharistie, et quelle attitude avons-nous à l'égard de ceux qui nous la proclament. Frères et sœurs, n'oublions pas que la parole de Dieu perd son efficacité quand nous la réduisons à la connaissance que nous avons de la vie de ceux qui nous l'annoncent. Et c'est peut-être l'un des drames de notre société, l'un des drames de notre Église, l'un des drames de nos communautés paroissiales. Chers frères et sœurs, notre monde, aujourd'hui plus qu'hier, a besoin de prophètes. Ils sont une grâce que Dieu nous accorde. Un monde sans prophètes, frères et sœurs, est un monde lâché par Dieu et livré à lui-même. C'est pourquoi dans notre Église, dans notre société, des prophètes se lèvent encore. Comme hier, ils dénoncent l'injustice, le mensonge et l'abandon des valeurs humaines et chrétiennes qui fondent l'homme dans sa dignité. Frères et sœurs, la présence des prophètes, la présence de l'Église nous réveille, car nos prophètes sont des veilleurs. Il donne et sonne l'alerte lorsque nous nous éloignons du chemin, du vrai chemin et des vraies valeurs. Chers frères et sœurs, depuis le jour de notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous participons à la mission prophétique de l'Église. Alors devant les défis de notre paroisse, devant les enjeux de notre pays, n'ayons pas peur. Prenons nos responsabilités. Engageons-nous en vérité et écoutons le Seigneur qui nous redit au milieu de nos fragilités « Ma grâce te suffit ». Loué soit Jésus-Christ. Amen.